Je suis Anthony McCallum Caron de Ian McLeod Distillers, qui est une société familiale qui est blender, distillateur et embouteilleur indépendant. Nous sommes propriétaires de la marque Chieftains et Dunvegan, qui sont les embouteillages indépendants de la maison. Mon travail consiste à sélectionner les fûts pour ces deux gammes Chieftains et Dunvegan. La gamme Chieftains et Dunvegan sont des petits embouteillages de fûts individuels que je sélectionne deux fois par an, au printemps et à l'automne. Généralement, c'est de 1 à 3 ou 4 fûts par distillerie. Et vraiment, ce sont des petits lots avec, quand tu vois, il y a vraiment une différence de couleur pour chaque embouteillage. Parce que c'est coloration 100% naturelle. Okay. Hein, donc on ne met pas de. On ne caramélise pas, on ne transforme pas du tout la couleur et il n'y a pas de filtration à froid non plus. Donc ce qui permet d'avoir beaucoup plus de gras et plus de saveur et plus de douceur. Vous pouvez peut-être être surpris par le fait que je parle très bien le français. C'est qu'en fait je suis à la fois français et écossais. Écossais de par ma mère et français de par mon père. Ça fait depuis 15 ans que je travaille dans le whisky et depuis maintenant plus de 10 ans pour Ian McLeod. Ma philosophie sur les deux gammes Chieftains et Dunvegan, c'est que vous n'ayez pas à rajouter de l'eau. Ah, ok. Parce que sinon c'est un jeu de, on dirait cat and mouse, de la souris et du chat. C'est qu'on va mettre du whisky, ensuite on va rajouter de l'eau. Parfois on va en mettre de trop. Ouais. Donc on ne sait jamais combien d'eau et combien de whisky il faut mettre pour que ce soit le bon degré. D'accord. Donc moi je fais ce travail-là pour toi. Pour Chieftains et Dunvegan, on va avoir deux campagnes de sélection des fûts. Une qui va se passer au printemps et puis une qui se passera à l'automne. D'accord. Donc le travail à l'heure actuelle, c'est le travail pour l'automne. Ok. Là on est en été. Donc on sélectionne les fûts pour la fin de l'année. Bon, Anthony, explique-moi un peu comment finalement tu choisis les fûts que tu mets là-dedans ou là-dedans. Donc on va extraire de fûts individuels, donc des échantillons. Tiens, pour te donner un exemple, on va prendre le Mortlach. Nous avons extrait deux fûts, un de 98, le fût 10-191 et le fût 10-190. Ok. Donc je pense que ce sera intéressant de te montrer la différence entre ces deux fûts. Deux fûts côte à côte finalement, deux fûts qui se suivent, que tu fabriques au même moment. Tout à fait, ça a été vraiment distillé le même jour. Okay. Tu vois, moi, il y a quand même une petite différence de couleur. Il y en a un qui est un petit peu plus ambré que l'autre. Donc là, on est à un degré naturel. Okay. Donc c'est environ 57-58 degrés. Et donc toi, tu vas procéder d'abord, tu disais, par le nez, non, c'est ça? Et ensuite... Tout à fait. D'abord, la dégustation au nez, pour voir s'il n'y a pas de mauvaise odeur. Et puis ensuite, en bouche. Donc il faut que je choisisse le bon fût, oh mon dieu. Je sens plus l'alcool que celui-là, mais enfin... Comment c'est? C'est déjà bon, hein, la marque là. Non, c'est... Ok. Bon, je suis pas difficile, non? Je prends de celui-là. Je vais sélectionner peut-être 5 à 10 fûts par lot et puis ensuite en retenir que 2 ou 3, voire tout rejeter si la qualité n'est pas bonne. D'accord. Nous, on peut se permettre ça parce qu'on est aussi blender, donc tout ce qui ne sera pas rejeté pourra être quand même assez bon, quand même pour aller dans les blends. Oui. Sur les Chieftains, on veut vraiment uniquement les meilleurs fûts. Slange. Slange.